Alors aujourd'hui, c'est le début de l'initiative Vivincita. Cette course peut avoir lieu grâce au partenariat de la FSGT, des deux collectivités territoriales, à savoir le département, la ville d'Ivry-sur-Seine. Encore une fois, on prouve l'utilité des collectivités territoriales et la nécessité des services publics, notamment départementaux, pour lesquels on poursuit la mobilisation. On essaye de faire signer le maximum de personnes. J'invite toutes les Ivriennes, les Ivriens, les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais à continuer la mobilisation, à signer cette pétition, à la partager, à la faire connaître, afin que notre collectivité continue à faire, à mener les politiques qu'elle mène aujourd'hui, des politiques utiles au quotidien. Notre département a toujours été un bouclier contre l'austérité et j'espère qu'il continuera à l'être, parce que je n'imagine pas la vie de mes voisins, voisines, sans l'existence de notre collectivité. Donc longue vie au département du Val-de-Marne.